Bah, je pense que le match qu'on a gagné la semaine dernière face au Stade Français nous a un petit peu rassuré nous a rassuré. Donc je pense qu'on va entamer ce match contre Édimbourg sur de bonnes bases. Qu'importe que ça soit un H-Cup ou un championnat, aujourd'hui on essaie de retrouver un petit peu notre dynamique de début de saison avec les victoires qui s'enchaînent, on espère, et avoir ce système-là dans un cadre idyllique, on va dire, retrouver un thème positif à notre jeu. Je pense qu'on a eu on a eu un petit passage à vide et que voilà, que au retour des vacances là, on s'est vidé la tête, on a pensé à autre chose, et là depuis qu'on est revenu, on continue à bosser, on continue à travailler toutes les petites choses qui font que ça marchait pas avant. À régler les petits détails. Match après match et semaine après semaine, on essaie d'apporter le petit plus qui fera que même si on a perdu ces matchs à des moments un petit peu clés, on va dire, qui nous a fait perdre du point en championnat, aujourd'hui, voilà, c'est travailler sur les détails qui nous ont fait faux bons et sur lesquels on essaie de s'appliquer. Je pense que toutes les équipes, il faut s'en méfier, il faut pas. Si on y va avec la fleur au fusil, je pense qu'on y va droit dans le mur. Il faut prendre les matchs après, les uns après les autres, et ne pas sous-estimer l'adversaire. Qui est assez surprenante. Alors c'est aussi surprenant de la trouver avec 0 point aujourd'hui au niveau de la H-Cup. Donc on sait qu'ils viendront sans doute renforcer un petit peu de l'année passée, on va dire, par rapport à leur victoire face à nous. Mais on attend un gros match. La H-Cup reste un autre challenge aussi, qui est une dimension particulière. Et on essaie de s'y préparer au mieux malgré la neige aujourd'hui. Et on a cette possibilité en Coupe d'Europe de se qualifier pour un quart de finale. Donc on reste toujours rêveur, comme j'ai pu dire au début. Maintenant, ça fait partie du jeu de savoir qu'on passe à un autre challenge, parce que c'est une autre dynamique aussi dans le jeu. La Coupe d'Europe est un peu plus active au niveau intensité, on va dire, que le championnat, et c'est des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, donc forcément c'est un cadre particulier. Mentalement, on se prépare un peu plus différemment. Bah, je pense que les championnats de la H-Cup, c'est basé sur un jeu de déplacement, c'est un jeu de mouvement et tout, qu'en top 14 on n'a pas forcément, ou que toutes les équipes n'ont pas forcément. Donc du coup, il va falloir être très vigilant en défense et faire tomber de suite. We know.